Bonjour, nous sommes vendredi matin. Je m'apprête à faire une petite salade de fruits. Nous avons l'amoureux de sa mère qui n'est jamais loin. Il est à peine réveillé, hein, je vous le dis. T'es bien réveillé ou pas? J'étais bien productive ce matin, ça fait du bien. J'attends la factrice parce qu'elle m'avait dit il y a 4 jours, je passe vendredi vers 13h pour les étrennes, enfin pour le calendrier. Et Eric reprend vers 13h quelque chose, donc il va pas tarder. Ce soir, nous sommes invités chez des amis. Donc tous les mois, on prévoit plus ou moins, on se fait une date, comme ça on est sûr de le faire et de se caler quelque chose. Là, c'est chez mon ami, donc son mari. Et bah, on a été à l'expo, voilà, donc ça c'est ce soir. Et puis bah, cet après-midi, j'ai pas mal de boulot. De préparation de tout ce qui est box, tout ça. Là, je vous ai dit, on est parti sur la box de décembre. Ça y est, elle est en commande. La sublime, comme je vous ai dit, la sublime box de décembre. Je vous montrerai tout à l'heure le mood board si ça vous dit. Si vous n'avez pas Insta, si vous n'avez pas pu voir, mais je suis à fond dedans. J'ai concocté une sublime box pour les fêtes. Voilà, et j'ai plein de coups de fil à passer cet après-midi. Et on doit aller chercher un gâteau. C'est nous qui apportons le gâteau, donc je pense qu'on ira en fin de journée. Quand Eric aura fini et puis quand on sera prêt quoi. Bonjour. Voilà. Les calendriers. Voilà. Ça y est, elle est passée. Je sais jamais combien donner. Donc j'ai donné 10 euros. Parce que je dis 10, 10 euros les pompiers, 10 euros les. Enfin ça va vite, 10 euros les éboueurs, 10... Voilà. Bon. Je vais prendre un petit calendrier à base de chat. Hein. Même si j'utilise pas. Franchement, les calendriers, celui de l'année dernière, de l'année d'avant, pareil, il est dans un truc, je l'utilise pas. Bon. Et elle m'a donné mon courrier, évidemment. Une belle facture, bah, tous les mois en fait, c'est la poste, Colissimo, les box, donc les frais de poste, 600 euros, 600 francs, tous les mois. Enfin, tous les mois, c'est en fonction du nombre de box que tu vends, quoi. C'est des frais, beaucoup de frais, et encore, il n'y a pas que ça. Il y en a plein, bah, y a le site tous les mois à payer, il y a les... Enfin, c'est normal. Pour l'heure, je vais pouvoir monter, parce que j'attendais, là, j'étais bloquée, les 13h30. Je vais pouvoir passer mes petits coups de téléphone et finaliser ce que j'ai à finaliser. Hop, voilà, on va allumer 16h48, attendez. Voilà, coup de barre. Je vous ai pas repris avant. Vous imaginez bien que je bossais sur tous les préparatifs, ça me prend un temps fou. Je suis coiffée, laisse tomber, de toute façon je vais me changer évidemment, je vais me coiffer. Je vais me maquiller parce que là j'aime pas quand j'ai pas de rouge à laver tout ça. Et je vous montre un truc. Tadam! Le mood board d'inspiration de votre box de Noël, de fête. Elle va être énorme, mais vraiment. J'adore le mood board. Donc voilà, ça vous donne des petits indices sur... de toute façon, on ne va pas se cacher, il y aura un sublime bijou. Et d'autres articles que vous allez adorer. Et oui, ça y est, vous pouvez la commander. Il est 6h30, on a tout fermé. Je me suis changée. Ça, c'est la robe, la nouvelle robe que j'ai eue. Milano, en partenariat, petite veste, je trouve que c'est sympa. La coiffure, de toute façon on va repasser après avoir fait les courses, donc si je décide de me coiffer autrement. Hein. Mais non, je suis plutôt à l'aise. Ah, puis j'ai mes nouvelles chaussures, je vous les ai montrées sur Insta. C'est des petites boots, est-ce que vous allez bien voir? Sinon je vous montrerai tout à l'heure. Si je fais ça, vous allez bien voir. Changement de programme, flemme d'aller à Leclerc. Et d'autant plus qu'on a juste... Je suis pas sûr qu'on le dise à Leclerc. Oh non, on recommence pas déjà qu'il m'avait dit. Bon, je reprends. On a juste du café parce qu'on va être en rade. Demain matin, ça peut être chaud sans café. Et juste un gâteau. Donc là, on va en ville. Et puis, on sera bien. Voilà. Ah si, il faut passer au magasin de vapette pour Eric. Et puis, voilà. Ah, je crois pas qu'on dit vapette. Tu veux me reprendre comme ça? Je crois qu'on dit vapote. Mais oui, j'ai envie de dire vapette. On a resté trop longtemps dans le magasin de vapote. J'ai laissé Eric pour le café. J'ai peur que la boulangerie ferme. On s'y est pris un petit peu tard. Mais il est beau quand même. C'est un royal, hein, c'est ça? Oui, un royal. Ah bah bravo. Bonjour l'ambiance. Bah ouais. T'auras pas bonjour le temps. Ouais. Si je continue à tourner dans Orléans, je vais pas y arriver. Je me dépêche. Ok. Bon bah finalement, on a le temps. Hein. Il nous reste une bonne heure. C'est pour me coiffer. Une demi-heure. Une grosse demi-heure. Une grosse demi-heure. Le gâteau, je vous montre pas, mais c'est un royal. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est avec une base, il y a du praliné, il y a... Entremets, chocolat, enfin... Oh, il est beau. Hein. Attends, 7h33. Ok, moi je vais tout éteindre. Et j'ai rien fait de ouf hein, au niveau de mes cheveux, en fait. Je les ai laissés libres, comme ça.
J'ai changé quoi? Rien, j'ai mis mes petites bagues. Et puis un petit raccord rouge à lèvres. Et c'est tout. On est arrivé. Non, non, je te dis, franchement. Raclette, la table de raclette. Bon, on va prendre l'apéro. Il doit être déjà 8h30. Ça a mis du temps. Ça va, les filles? C'est bien compliqué, hein. Il est magnifique, ce bouquet. C'est pas, je sais pas pourquoi la mousse, l'eau. Oui, pourquoi? Je sais pas. C'est ton nom ou t'as rajouté un truc? J'ai rien à rajouter, c'est mon nom. D'accord. Ah oui, mais c'est normal, c'est l'adoucisseur. Ah. Ah, c'est beau. Ça se voit que j'ai bu l'apéro, je crois, au niveau des joues. Mais non, ça se voit pas. Qu'est-ce que ça dit? Si ça se voit au niveau des joues que j'ai bu l'apéro. Putain, c'est fou. Non, ça se voit au niveau des yeux qui brillent. Ah bon? Alors, je sais pas, il y a des gens qui mettent à l'envers, il y a des gens qui mettent à l'endroit, je sais pas, ça me fait. De quoi tu parles? Parce que là, tu parlais de mes yeux. Ah, tu parles du lave-vaisselle. Ok. Vachement, là. Non? Un petit peu, quand même. Wow. Ton chemisier? Comment? Ton chemisier est beau. Ouais, je vais acheter à Lyon, là, à Zara. Peut-être qu'ils vont dire que ma chemise est belle. Bah, ta chemise, elle vient de chez Zara. Non, elle est vraiment belle, j'aime bien. Le collier magnifique, box. Attends, je gâche mes... Et la bague. Je cache mes ongles. Qu'est-ce que t'as foutu? Tu sais que t'as un truc noir là avec? C'est pas très. Ah, mais c'est les cheveux. Attends. C'est le champagne, les amis. Oh, le beau gâteau. Il est beau. Ah, il est beau. Voilà. Cadrage. Arrête. Il est 2h20. Du matin. 2h21 du matin. On a passé une super bonne soirée. On a bien mangé. Grosse raclette. Et là, on boit du coca, de l'eau. Beaucoup d'eau. Et Dodo, on va se démaquiller et on va aller au lit. Non, non, Jack. Alors Jack, quand on rentre comme ça, il est persuadé que c'est le matin qu'on déjeune. Non. Tu vas te démaquiller, ça? Oui. Ouais, t'es un peu forcé d'ailleurs sur le lips. Sur le lips. Bon, on se retrouve demain matin. Ouais, bonne idée. Enfin, quand on dit demain matin... Ah oh, si, on se lève tôt, je me lève tôt. Tu te lèves tôt demain matin? Bah ouais, je pense 7h30, 8h, naturellement. Non? Bah si. Pourquoi tu rigoles? Y'a quoi de drôle? En plus, c'est un peu plus diplomatique classique. Ils sont près de 15 000 en matière de réserve. C'est fort, mais toujours. Vous l'aurez compris, c'est mon nom. C'est l'aéroflot, la compagnie aéroflot. Il y a toujours le casque. Il parle fort, le monsieur. Ah bah t'as carrément éteint. Oui, je vous disais, il va y avoir deux... Alors Jack, il est fatigant. Je me suis levée une première fois, il a eu son petit déj, et je me suis un peu recouchée. Mais en fait, il fait risette, comme si il s'était jamais rien passé. Donc non. Surtout que t'es en régime. Donc il va y avoir deux solutions aujourd'hui. Soit je décide de me prendre en main, la douche, petit déj, on prend l'air et tout, on bosse. Ou alors, je me morfonds dans le canapé, je subis la migraine, et je regarde un film. Je pense que ce sera plutôt la première. Mais c'est chiant parce que moi vraiment je tolère plus l'alcool et j'en ai bu genre des fois je bois juste un petit fond et machin et tu peux être sûr que ça me tape. Bon, on va déjeuner déjà. Deuxième tentative, jour 2. Hier, enfin, ça s'est un peu imposé à moi l'option de rester là et de rien faire. Je n'ai rien pu faire, j'ai eu donc mal à la tête, mais vraiment très très mal à la tête. J'étais dans le mal, j'étais vraiment pas bien. Je crois définitivement que je ne tolère plus l'alcool, même de boire un verre. Mon corps le veut plus. Bon, maintenant une fois que tu le sais, je vais composer avec, c'est embêtant, mais voilà. Aujourd'hui, j'ai très envie de regarder pour commencer peut-être les déconneurs, parce que cette année j'ai envie de changer l'emplacement du sapin et je sais que mon sapin, ça fait un moment que je l'ai, il est blanc mais il est un peu passé et j'aimerais bien repasser un vert, voir peut-être aller chez Jardiland ou enfin voir ce qu'ils proposent. Et surtout aujourd'hui il faut que je fasse le montage de ce vlog que je n'ai pas pu faire hier, mais d'abord petit déjeuner, il est 9h30, il est très tard et je l'ai dit, ouais, on est dimanche. J'ai retrouvé forme humaine et ça fait du bien. Je me suis fait un petit spa à la maison, en fait, au niveau de mon teint, de mon visage, avec justement des produits que j'ai reçus. Cette marque, je vais vous montrer, va faire l'objet d'une des box gold de Noël. C'est la marque que je vais vous parler. Je vais pas vous montrer le contenu, je vais vous montrer les produits qu'ils m'ont offert, en fait, pour que je teste la marque. Et je vais vous montrer vite fait le coffret sans vous révéler parce que ça va être cette semaine que je vais faire les publications. Mais là, ça m'a fait du bien, mon teint. Il est hyper lumineux, frais. C'est canon, c'est top.
Ah oui, mais non, là, ça va pas du tout. Alors, je vais me poser ici. Alors, je vous montre déjà la marque, enfin, les produits que j'ai reçus. Il s'agit de la marque Estime Essence. C'est créé par un esthéticien pour les esthéticiens, c'est un peu leur slogan. Moi, déjà, ils m'ont offert ces quatre produits. Alors, déjà, on a le sérum hydralissant. Je crois que ça, c'est leur best-seller. C'est avec, sous forme de pipette, tu mets quelques gouttes. Évidemment, j'ai fait en premier lieu le masque express hydratant que tu peux soit laisser, si c'est une fine couche, on a été coupé, j'avais plus de batterie, donc le temps que je recharge ma caméra, j'en ai profité pour aller manger, parce qu'il était quand même 13h20. Donc je vous disais que ce masque, j'avais commencé par ça ce matin, c'est un masque express qui va venir lisser, qu'on peut utiliser soit en couche épaisse, auquel cas bah, on vient rincer après un certain moment, ou alors en couche fine et on peut le laisser sans rincer. Il est très très bien. Ils m'ont offert également la crème fondante de jour à l'huile d'argan que j'utilise depuis un bon moment. Il y a aussi de l'huile d'avocat, très très bien, donc j'ai mis également ce matin. Et ce petit gel éclat du regard avec la couleur, voilà, ça c'est parce que dedans il y a des petits agents qui vont venir illuminer ton contour des yeux. Il est super bien. Alors, celui-là, je ne sais pas s'il faut le faire, mais j'utilise matin et soir. Et ce que l'une ou l'un d'entre vous va gagner avec sa box, en plus de sa box. Alors évidemment, ça ne sera pas glissé dans votre box, ça sera un envoi à part parce que c'est trop volumineux. Il y a plein de chouettes choses dedans, je vous le dis vraiment. Il y a... Enfin non, je ne dis pas. Bon, voilà ce coffret. Il se présente comme ça. On a le joli papier de soie. Il y a deux produits et plus un troisième. Vous verrez ça, je vous ai dit. Et je vous présenterai également l'autre marque qui sera à gagner. Box Gold, pareil, pour Noël. Voilà, bah écoutez, on va arrêter ce vlog parce que je suis encore un petit peu dans le flou et j'ai du boulot surtout. Franchement, je crois que je vais faire un petit break avec les soirées, les sorties. Parce qu'il y a le côté aussi, même si j'ai vraiment très peu bu, mais je vous dis, là je suis, je pense, très sincèrement devenue intolérante. Mon corps ne peut plus. C'en est vraiment, et le lendemain je suis même en bad, je suis pas bien du tout, je suis dans le mal. Et même quand je me couche tard, là on s'est couché vers 2h, pour moi qui n'ai pas l'habitude, je crois que je fais partie, alors les personnes qui ne sont pas confrontées à ça ne peuvent pas comprendre, mais je suis quelqu'un qui doit, je pense, avoir une hygiène de vie bien au-delà de la moyenne, donc c'est-à-dire que je ne dois pas me coucher tard, je ne dois pas faire d'abus de ça, je ne dois pas chien, sinon bah, je suis hypersensible, je pense que ça doit être ça, hein. Il y a des gens comme ça, je pense, je n'ai pas creusé la chose. Je peux pas dire que j'en ai parlé vraiment à mon médecin, parce que... Mais bon, je pense qu'il faut faire plus attention et être plus à l'écoute de son corps, même si je pense que je me suis déjà pas mal. Bref, vous l'aurez compris, j'arrête ce petit vlog parce que j'ai plein de taf. Et bah, je vous dis à très vite pour la suite, un nouveau vlog ou une autre vidéo. Bisous, bisous, bisous.